Alors, l'interview de Mark Webber concernant le jeune prodige Oscar Piastri. Qu'est-ce qu'il a déclaré Mark, le manager donc d'Oscar? C'est un grand jour pour les Néerlandais, bon on s'en fout de ça, c'est sur Max. Voilà, il est content pour lui, machin, machin. Oscar est parti en pole position, le fait de bonne qualif, c'est pas facile d'enchaîner les tours ici. On a vu beaucoup de gens faire des limites de piste et rouler au large. Mais il a gardé la tête froide aujourd'hui avec les qualifications, une vraie compétition, et puis ce soir, vous avez dû gérer quelques redémarrages, différents composés. Avec le soft, Rosso, etc. Mais très fier de lui. Ce que le jeune Australien peut déjà faire dans une voiture est de bon augure pour l'avenir. Weber explique ce qu'il trouve de si spécial chez lui. Je pense que c'est sa capacité d'adaptation, il est très polyvalent. On le voit déjà cette année, et comme on le sait, c'est un débutant. Il y a eu beaucoup de week-ends pluvieux, il y a eu beaucoup de perturbations, la location de pneus a été fixée sur les composés et les courses sprint, donc il y a eu beaucoup de choses auxquelles il faut s'habituer. Mais en fin de compte, il était très fort sur les circuits de rue. Il était fort sur les pistes chaudes également. On a encore un peu de travail à faire. Peut-être sur la gestion de la course. C'est une course plus courte aujourd'hui, mais il a un peu couru. Et les qualifs ont été un bon pas en avant. Je pense que l'adaptabilité, le sang-froid et aussi, bien sûr, il doit être prêt à continuer à s'améliorer chaque jour, c'est naturel. Bon, là, l'interview date du sprint du Qatar, a priori. Hein. Si je comprends bien, il parlait de Verstappen qui était titré, donc voilà. Je pense que c'était vraiment le seul choix que nous avions d'aller chez McLaren. Parce qu'en fin de compte, nous n'étions pas très rassurés l'année dernière de savoir ce qui se passait et où il pourrait finir. J'étais extrêmement, extrêmement nerveux et frustré qu'il n'ait pas couru l'année dernière. Nous voyons ce que nous avons manqué et avoir un gars comme ça qui regarde était juste une parodie et me tue de l'intérieur. Parodie. Ouais, bah après, bon, l'année dernière, il serait allé où, quoi? C'est ça le truc. Tout était pris, hein. McLaren a donné sa chance à Piastri et selon l'Australien, il a immédiatement fait preuve d'engagement. Comme le dit Weber, Piastri pouvait difficilement faire autrement. Après une année passée sur la touche chez Alpine. Non, honnêtement, bon, on pouvait douter au début de l'année si c'était le bon choix ou pas, parce que McLaren était tellement largué que bon. Mais là, on voit qu'au final, il faut être patient, et quand on voit le niveau de McLaren maintenant, c'est incroyable, quoi. C'était le bon choix, clairement. Tout le monde aime parler des nouveaux pilotes qui arrivent et de la période de lune de miel. Et ce sera ceci, ce sera cela. Mais je pense qu'en fin de compte, ils montrent de très bonnes qualités. Bien sûr, comme vous le savez, il faut un peu de chance et élan des positions, mais en fin de compte, en termes de siège, nous pourrions faire cette interview dans 15 ans et nous verrons comment il a progressé. Mais voyons voir, les petits pas d'abord, l'élan est là. Ouais, bon. Graine de champion, Piastri, selon vous, du coup? Ouais, il aura forcément un titre. C'est obligé, quoi. Il est tout jeune, c'est la relève de la F1, lui. Hein. Il est encore là pour 14-15 ans minimum. Hein. Peut-être jusqu'à 2040, il est là, Oscar. Hein. Si la F1 existe toujours en 2040, évidemment. Je sais pas à quoi ça ressemblera en 2040, la F1, d'ailleurs. Ça va être bizarre. Hein. Et j'espère que j'aurai toujours mes chaînes aussi. Passage. Papy TBF1. 2040, j'aurai 50 ans, les amis. Vous serez toujours là ou pas? Allez, dites-moi en commentaire tout ça là. Ciao.